Salut les entrepreneurs, c'est Antoine de Start Online. Aujourd'hui, on décrypte le SEO, l'arme secrète pour propulser votre business au sommet du web. On va voir ensemble les 5 indicateurs SEO à surveiller comme le lait sur le feu chaque semaine pour gagner en visibilité et faire exploser votre trafic. C'est parti ! Premier indicateur crucial, le trafic. En gros, c'est le nombre de personnes qui débarquent sur votre site web. Plus vous avez de visiteurs, plus vous avez de chances de faire des affaires. Utilisez Google Analytics pour garder un œil sur l'évolution de votre trafic chaque semaine. Si ça stagne ou pire, si ça dégringole, il est temps de comprendre pourquoi. Le trafic, c'est le nerf de la guerre. Deuxième indicateur clé, le positionnement de vos mots-clés. C'est un élément crucial pour votre stratégie de référencement. Vos mots-clés, ce sont les termes que les internautes tapent dans Google pour trouver des infos. Ils sont la passerelle entre votre contenu et votre audience cible. Utilisez des outils comme SEMrush ou Ahrefs pour savoir où vous vous situez dans les résultats. Ces outils vous donnent des informations précieuses sur vos performances et celles de vos concurrents. L'objectif ? Grimper dans les résultats de recherche et atteindre la première page de Google. C'est là que la majorité des clics se produisent. Pour y arriver, il faut optimiser continuellement votre contenu et surveiller vos progrès. Chaque petit pas compte dans cette course. Soyez patient et accrochez-vous, le SEO, c'est un marathon, pas un sprint. Les résultats prennent du temps, mais avec persévérance, vous verrez des améliorations significatives. Troisième indicateur à surveiller de près, les backlinks. Les backlinks sont essentiels pour le référencement de votre site web. Imaginez, les backlinks, ce sont des petites flèches qui pointent vers votre site web depuis d'autres sites. Chaque flèche représente une recommandation, un vote de confiance. Plus vous avez de backlinks de qualité, plus Google vous voit comme une star dans votre domaine. Cela peut considérablement améliorer votre position dans les résultats de recherche. Utilisez des outils comme Majestic ou Moz pour analyser vos backlinks. Ces outils vous permettent de voir d'où viennent vos backlinks et d'évaluer leur qualité. L'idéal, c'est d'obtenir des backlinks de sites web connus et reconnus dans votre domaine. Ces backlinks ont plus de poids et peuvent vraiment booster votre crédibilité. Les backlinks, c'est un peu comme le bouche à oreille sur Internet. Plus vous en avez, plus vous inspirez confiance. En fin de compte, un bon profil de backlink peut faire toute la différence pour votre visibilité en ligne. Quatrième indicateur à ne pas négliger, le taux de rebond. Le taux de rebond est crucial pour comprendre l'engagement de vos visiteurs. Imaginez, un visiteur arrive sur votre site, regarde une page en diagonale, gap 2S, et hop, il s'en va. Cela signifie qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait ou que votre contenu ne l'a pas captivé. C'est ça le taux de rebond. Un taux de rebond élevé indique que les visiteurs quittent rapidement votre site sans interagir. Un taux de rebond élevé, c'est un signal d'alarme pour votre SEO. Cela peut affecter négativement votre classement dans les moteurs de recherche. Proposez un contenu intéressant et facile à lire qui retient l'attention de vos visiteurs et les incite à explorer davantage. Peaufinez le look de votre site web en veillant à ce qu'il soit moderne et visuellement attrayant. Et simplifiez la navigation pour offrir une expérience utilisateur au top. Une navigation intuitive permet aux visiteurs de trouver facilement ce qu'ils cherchent, les encourageant à rester plus longtemps. Cinquième et dernier indicateur à surveiller, le nombre de pages indexées. Chaque page de votre site doit être indexée par Google pour apparaître dans les résultats de recherche. Vérifiez le nombre de pages indexées dans la Google Search Console. Si le nombre est faible, trouvez les pages qui posent problème et optimisez-les. Une page indexée, c'est une porte d'entrée supplémentaire pour attirer des visiteurs qualifiés sur votre site web. Et voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour devenir un as du SEO. Abonnez-vous à la chaîne Start Online pour encore plus de conseils et d'astuces pour booster votre business en ligne. Maintenant, au boulot, le succès de votre site web n'attend plus que vous.